Hop. Coucou YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Rebirth. On est dans le Gold Saucer, ça va être fun. Donc on va un petit peu s'amuser tranquillou sur cet épisode. Alors on va déjà rejoindre le groupe. Très bien, on va voter. Ceux qui veulent s'amuser un peu, levez la main. Moi. Je sais pas. C'est maintenant ou jamais. Amuse-toi bien, tant que tu le peux. Oh, même c'est sûr, si il dit vas-y, amuse-toi. Ils vont se paumer, ils vont s'amuser quand même, quoi. J'adore. Franchement, ils pensent qu'à s'amuser. C'est maintenant ou jamais. Hein? Quand il n'y aura plus de Mako, cet endroit n'existera plus. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? C'est ton genre de discours, hein? Ouais, c'est pas faux. Comme on dit, c'est maintenant ou jamais. Après, ça... Trop bien. Ah, oh, c'est magnifique. Ah, oh, j'adore. Putain, on va se faire un épisode de Luigi Mansion, là. C'est super bien fait. Là, tu sens que, comme c'est un environnement plus fermé, les détails sont beaucoup plus... pas détaillés. 4-6. Trop cool. C'est beau.
C'est trop bien, les gars. Ça joue à King's Blood. Alors, est-ce qu'on ferait pas un peu l'hôtel d'abord? Il y a un bar. Un robot Tombéry. Et ben alors, y a personne ou quoi? Excusez-moi. C'est Nero. Cinglé. Pardonnez-moi si je vous ai quelque peu effrayé. On voudrait des chambres pour deux hommes et trois femmes. Et puis, un animal. Puis-je vous demander de quel genre d'animal il s'agit? C'est trois hommes et trois femmes, s'il vous plaît. Fort bien. Laissez-moi vérifier. Cher client, je suis au regret de vous informer que nous n'avons plus aucune chambre de libre. Et merde. Et les autres hôtels? Je suis vraiment navré, mais d'après nos registres en ligne, absolument tous les hôtels du Gold Saucer sont complets pour ce soir. Hein? Excusez-moi, besoin d'un coup de main? C'est encore toi? Si vous le souhaitez, je peux vous procurer des chambres. Hein? Tu veux nous arnaquer? Mais jamais je ne ferai ça, voyons! Si vous voulez, je peux même payer les frais à votre place! C'est encore plus louche. Est-ce que vous pouvez être méfiant? Dites, désolé, mais vous voulez bien vérifier encore une fois? Hein? Nous venons de recevoir une annulation. Les chambres Tombéry et Ligor sont désormais libres. Je vais tout de suite les réserver pour vous. C'est un vrai plaisir de vous rendre service. Sur ce, passez un bon séjour. Au revoir. Vos chambres sont au quatrième étage. Veuillez emprunter l'ascenseur qui se trouve en haut de cet escalier. C'est génial. La chambre Tombéry. Let's go. Hey, vous! T'as écrit la voix de Mickey? L'avenir vous préoccupe? Laissez-moi vous dire la bonne aventure. Ah. Et tu peux voir autre chose que le futur? Mais bien évidemment! Je retrouve aussi les objets et personne disparu. Y compris les soldats qu'on traitait en héros autrefois. Est-ce que tu peux retrouver Sephiroth? Oh, Sephiroth. Très bien. Pas de problème! Allez, c'est parti! Miaou, 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 miaou. Bon présage. Des changements en prévision. Acceptez que vos amis vous chouchoutent, faites un peu plus d'efforts et vous aurez une bonne surprise cet été. C'est censé me dire où est Sephiroth. C'est bizarre. On va réessayer. Allez, hop là. Attention aux oublis. Couleur porte-bonheur, le noir. Ça suffit. Non, attends, réessayons une dernière fois. Promis, ce sera la bonne. Il y a un problème? Vous finirez par rencontrer la personne que vous cherchez. Toutefois, cela se fera au prix de ce que vous avez de plus cher. Ha ha!
Difficile de dire si c'est bon ou mauvais. Qu'est-ce que t'as? Au prix de ce que j'ai de plus cher, qu'est-ce que ça peut être? Hein? Regarde dans quel état tu l'as mis! Je suis vraiment désolé. J'adore. Bienvenue dans l'ascenseur des enfers. Ouais, ils se sont fait plaisir. Alors, direction le quatrième étage. Ah, et puis elles sont 3D en plus. Nous avons une réservation au nom de Palmer. Le directeur de l'exploration spatiale. Oh, très bien. Attendez un instant, je vous prie. Je vois ici qu'elle a été annulée. Hein? Comment ça se fait? Monsieur Palmer avait bel et bien réservé les chambres Tomberry et Ligor. Mais il nous a lui-même envoyé une annulation il y a à peine quelques instants. Vous devez faire erreur. Il y a un problème? Ils n'ont plus de chambre. Ah bon? Vous lui avez bien dit qui je suis? Bien sûr. Bon, ça me laisse du temps libre. Par où est le coin réservé aux adultes? Où vous cachez-vous, mes jolies hôtesses? Quoi dégueulasse. Quatrième étage. Je vous souhaite de passer un séjour abominable dans les chambres les plus sinistres de notre établissement. Ah, je comprends pourquoi ils ont utilisé les l'effet sonore 3D là. Bien vu. Dégueulasse ce pingouin. Dis-moi ce tableau là. Tomberry, ça fout les jetons. Hein. Je vais te stabber dans le dos là. Hop. Tu meurs instant. Je pensais pas que le gîte de Johnny me manquerait. Je vais sortir faire un tour. Ok. Je vais pas m'amuser. Hein. Je vais me promener, c'est tout. Quant à toi, profites-en pour bien te reposer, d'accord? Parce que t'as des réactions bizarres parfois. Ouais. T'inquiète pas. Une sieste. Il y a une lampe. Attendez, peut-être qu'il y a des trucs encore à voir dans la chambre. Un truc est tombé par terre. On vient de remettre un livre qui est tombé, c'est tout. Ok, d'accord. Il y a un coffre là. C'est la mimique. Ha 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 ha.
Ok. J'adore. Bon. La fatigue. Ouais, c'est peut-être ça. Désolé. Je sais pas comment t'aider. C'était Zach ? Désolé. Je sais pas comment t'aider. Mais non. Regardez-moi ça. Tu peux un peu t'amuser avec lui comme ça. Oh là 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 là, c'est... Et du coup, je dois faire quoi là ? La matéria. Une matéria ? Elle a une drôle de couleur. Oh. Je savais pas que tu aimais tant la lecture. Oh, le fait qu'il a retrouvé Iris. Qu'il soit là, en fait, qu'on voit ça. Je sais pas ce qu'il y a avec... ça, c'est Cloud qui est en face. Ah oui, faites-nous contre les Zach. Oui. Oui, 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 oui. Fou, même si ce n'est que ça, je suis content de le faire. Oh, Marlène. Attends, c'est Marlène? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Ah ouais, je meurs de faim. Bon appétit, d'abord. Oui, oui. Et c'est un seul oui, ah. D'accord? Oui. La nuit dernière, j'ai vu quelqu'un devant la maison. Ah, tu parles de Biggs. Il est venu pour nous apporter des provisions. Pourtant, il avait l'air de se cacher. Tu n'as pas remarqué les avis de recherche collés un peu partout? Il y a son portrait affiché dessus. Ouais, les plantes sont mortes. C'est vraiment ce principe de monde mourant. Tu n'auras qu'à lui demander toi-même.
temps que Marlène habite dans cette maison, il reviendra sûrement. C'est pas vrai. Bix ne reviendra plus. Je le sais, parce que papa et Tifa ne reviennent pas. Alors, Bix ne reviendra pas non plus. Dans ce cas, je vais tâcher de trouver Bix moi-même. Et ensuite, je l'amène ici. Hein ? Vraiment ? Oui, oui, t'inquiète. Oh. Oh. Faut dire qu'un seul oui, pas vrai ? Dans ce cas-là, ça va. D'accord, d'accord. Oh. D'accord, d'accord. Déjà, Cloud qui rêve. On se retrouve dans le monde de Zack. Est-ce que c'est un hasard ? Je ne pense pas. Je suis venue voir si t'allais bien. Je me suis dit que t'aurais peut-être besoin de quelque chose. Ça va, merci. Je crois que je manquais un peu de sommeil. Et les autres ? Red est parti faire un tour. Aerys et Yuffie sont montés dans la grande roue. C'est l'horaire réservé au couple. Du coup, moi, je me retrouve toute seule. Elles ont de la chance d'arriver à se lier d'amitié aussi facilement. T'y arrives pas, toi ? Je sais pas trop. Je peux faire semblant. Je l'ai souvent fait. Depuis que je suis petite. Dis, si on allait se promener ? Si tu veux pas, c'est pas grave. Pourquoi je voudrais pas ? Toutes les attractions du Gold Saucer vous permettent d'obtenir des points du Gold Saucer PGS. Vous pouvez échanger vos points contre des objets ou guichets d'échange installés dans chaque square du parc d'attractions. Certains de ces articles sont particulièrement rares. N'hésitez donc pas à tous les récupérer afin de compléter votre collection. Ouais, let's go. Let's go, let's go. Souhaitez-vous descendre jusqu'à l'accueil ? Il fait tout ça sans Marlène. C'est un peu triste. Il aurait aimé faire ça avec Marlène, je pense. Oh, excusez-moi. Bon. Ah, y'a Giga Chadley. Salutations, Cloud. Tiens, comment se fait-il que vous ne soyez que deux aujourd'hui ? Oui, je crois comprendre de quoi il s'agit. Je suis ce qu'on appelle la troisième roue du carrosse. Dans ce cas, je ne vous retiens pas plus longtemps. Profitez de votre soirée. T'as très bien compris. Bon, allez. Allons nous amuser un peu. Il y a un guildmog, les robots que sont les guildmogs. Guildmog. Vous permettent de vous déplacer rapidement à travers le Gold Saucer à chaque fois que vous vous rendez
Dans les squares, celui-ci a ajouté la liste des... Ok, d'accord. Oh là là, d'accord, ok. Donc là, t'as la zone d'accueil. Adventure World. Chocobo Square. Speed Square. Balto Square Fantasy World. Event Square. Wonder... Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire en premier? Apparemment, on n'a pas, de toute façon, on n'a pas le choix. On peut aller dans Adventure World. Bon, je fais Adventure World. Fantasy. Après, on. Bon, on est là maintenant. Alors, Speed Racer, allez, Speed Racer. Oh, la musique! C'est trop bien. The Gilgamesh Army. Power Hungry. Sont tellement Iron Man. Soyez les bienvenus, jeunes recrues des chasseurs de l'espace. Dans un instant, je vais vous exposer les détails de votre mission. Soyez bien attentifs. Oui. 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 T'étais comme ça toi aussi quand t'es entré dans l'armée. Je pense que je me tenais un peu mieux que ça quand même. Galactique Sévillard. L'armée de Gilgamesh a déployé ses forces dans l'ombre de la 7ème lune. Ah, y'a Iris. Tiens, vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous vous êtes pas disputé. Oh là là, j'avoue que je vous envie un peu. Les parcs d'attractions, c'est quand même mieux quand on est à deux. Tiens, je devrais peut-être chercher quelqu'un qui voudrait bien s'amuser avec moi. Pas question. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Pas vrai? Claude, il est jaloux. On sait jamais sur qui on tombe. Ça pourrait être un type bizarre. Voire un type dangereux. Ça pourrait même être un espion de la Shinra. Ouais, surtout qu'il y a Palmer qui traîne dans le coin, alors ouais. Je pense que je sais choisir mes amis, tu crois pas? Bon, d'accord. Mais sois prudente, ok? En tout cas, c'est gentil à toi de t'inquiéter pour moi. Amusez-vous bien tous les deux. Cette bataille sera la plus colossale depuis le début. Bon, alors, où est-ce que je dois... Bienvenue, jeune recrue. Voulez-vous échanger des points? Ah, oh, là, les figurines, mais regardez-moi ça. Mais ouais, 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 ça fait un peu Bioman aussi, ouais. Ultraman. Ah, oh, combat de... Combat d'armes à feu. Au barrette. Contre la petite miniature, hein, sympa. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on puisse jouer. Alors, c'est où qu'on joue? C'est où? Oh, attendez, je sais pas où on commence pour une partie. Là. Êtes-vous pas prêt à partir en mission? Oh, on a un shooter, trop bien. Donc R2, manœuvre d'esquive, mitraillette, canon laser, kit de réparation, ok. Méga passion, point de gueule social, ultra éther.
Allez, let's go. Trop bien. C'est le Goumi, ouais, j'allais dire. Lui tirer sur la queue. Bon, t'as pas gâté grand chose, Maya. Enfin, là, c'est le premier mini-jeu que j'ai fait dans le God Cesseur. Je sais pas si t'étais là quand on avait fait le passage avec Zach, hein. Il y a carrément l'autre qui est là. Ça correspond, ça. Excusez-moi. Méga potion. Ultra Ether et 150 points Gold Saucer, ok. Ok, donc ça, c'était le mini-jeu pour ça. D'accord. La
paix et l'équilibre du cosmos. Cette bataille sera la plus. Donc maintenant, on peut directement stepper du coup là, non? Alors, Speed Square, Battle Square. Ah, je peux déjà les prendre. Je peux aussi économiser les points, non? Donc voyons voir, où est-ce qu'on est là? Wondermet Square. Skywheel Square. Ah, ok, d'accord. On va se faire refouler de Skywheel Square. Ok. Pas de choses, maintenant j'ai envie de choses. Ah, il y a Foufi. Tiens, t'es là, Clad. Je croyais que tu devais te reposer. Mais je vois que t'as pas pu résister à la tentation d'aller t'amuser finalement, hein? T'es toute seule? Ouais. Je me suis égarée à force de vouloir tout regarder. Bah, si tu veux, tu peux venir avec nous. Non, vous en faites pas. Il y a quand même des cas dans lesquels je préfère pas m'incruster. Ah yes, le G-Bike les gars, le jeu mobile. Que faire Il y a du Queen's Blood. Ouais, oh non. Il y a de quoi s'amuser ici. Hop, regarde, il y a même un jeu de moto. Ça devrait te plaire. Moi? Un jeu? Ben quoi? Ça t'intéresse pas? Bon. Mais seulement pour comparer avec la réalité. Ah, c'est possible, ouais. Là, pour le coup, je sais pas du tout. Alors, voyons voir. Oh! Est-ce qu'on a le jeu de Snow? Ça, c'est le 3D Brawler. Ça, c'est du Queen's Blood. Et le jeu de moto. Le jeu d'arcade G-Bike vous fait revivre une course-poursuite sur l'autoroute de Midgar. Le but est d'atteindre la ligne d'arrivée en éliminant... Ok, ça on connaît.
c'est pas évident par moment. Trèfle. C'est cool. Ok. Bon, le 3D Brawler, on l'a fait en début de live. Le Queen's Blood, on connaît. On regardera ça plus tard. Tout ça. Après, pour récupérer tous les objets, ça, je pourrais toujours le faire hors live. Hein. Mais si on peut faire au moins une fois les petits jeux. Ah oui, non, pardon. De l'autre côté. Ah, c'est cool. Bon, j'aurais pu utiliser le TP. Alors. Donc là, on a fait le Wonder machin, là. Parc central. Il y a tellement... Oh ! Tiens. Petite matériel, garde renforcé, hop. Regardez le Pampa. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller là, du coup? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est sûr dans Speed Square, non? Qu'on n'a pas... On n'a pas tout fait, je crois. Alors pour continuer l'histoire, c'est Promenade Nocturne. On a une course de chocobo aussi. Battle Square. J'avais pas bien fait gaffe avant. Je crois que ça sert à rien que j'avance en fait. Ah, attends, où il y a que le truc du... C'est où les trucs des chocobos? C'est pas dans le même étage? Ok, bah non. Autant pour moi. Ok, ben du coup, Chocobo Square, c'est là, ok. Attends. C'est quoi, c'est Battle Square, c'est ça? Passionné de théâtre, Libre Square est fait pour nous. Sur sa scène sont joués de nombreuses pièces qui vont faire
En tout cas, il est super bien fait, le Gold Saucer. Super joli. Ça brille partout. On se croirait chez Disney. C'est pas ici. Bon, après, c'est pas grave. Autant le faire. On a un colisée. Alors, ce qu'on va faire, je vais juste arrêter l'épisode là. Ah, c'est cool, le Gold Saucer. Putain. Que de nostalgie. Là, donc là, on va continuer le Gold Saucer. On va essayer d'avancer sur l'histoire aussi. Ce serait bien quand même. On avance. Hein. Donc merci YouTube pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis aussi à la vidéo suivante. A plus.